Bonjour et bonsoir à tous et à toutes. Salam alaikum, Azul Lawan. Je suis revenu aujourd'hui faire une vidéo très très importante et très attendue par mes abonnés et autres viewers qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne. Donc cela concerne ma chaîne des aides d'hiver 2017 et le problème de la monétisation. Donc il faut se rappeler, donc voici ma chaîne des aides d'hiver 2017. Elle contient différentes vidéos. Donc je parle un petit peu de sport, je fais des révisions des véhicules, il y a des recettes de cuisine, comme vous pouvez le voir, différentes recettes de cuisine, sport. Voilà, je parle de l'actualité également parfois. Et je parle un petit peu également sur ma chaîne du bricolage, un petit peu de tout ce qui est technique, tout ça. Et si vous vous rappelez, j'avais, il y a cela 2 mois, mis en ligne une vidéo qui parle de comment contacter YouTube pour réactiver la monétisation de sa chaîne. Donc pourquoi? Parce que tout simplement ma chaîne des aides d'hiver 2017 était monétisée auparavant, l'année 2017, et la monétisation a été désactivée en décembre 2017. Donc depuis décembre 2017, j'attends le retour de la monétisation. Donc vous pouvez, j'ai le plaisir et je suis très content de pouvoir vous annoncer, Allah Ibarak, Masha'Allah, le retour de la monétisation de ma chaîne des aides d'hiver 2017 en date du 20 février 2019. Donc plus d'une année d'attente. Donc plus d'une année d'attente, 1 année et 2 mois exactement. Mais comment est-ce que j'ai pu comment j'ai pu faire pour que cette monétisation revienne, pour que YouTube révise ma chaîne et réexamine ma chaîne et me réactive la monétisation de ma chaîne. Comment cela a pu se faire? Donc, tout d'abord, je dois vous montrer le screen que j'ai pris sur lorsque ma chaîne a été désactivée. Donc, voilà un screen. Vous pouvez voir la date là du screen. Donc, c'était le 13 décembre 2017. Donc, à 19h24, le 13 décembre 2017, j'ai reçu cet email m'annonçant la désactivation de la monétisation de ma chaîne. Nous avons déterminé que votre chaîne YouTube des aides d'hiver 2017 n'est plus éligible pour la monétisation. Par conséquent, elle perdra l'accès à l'ensemble des outils et fonctionnalités de monétisation associées au programme partenaire YouTube. Accédez à Creator Studio pour en savoir plus sur l'état de votre chaîne et découvrir les actions à mettre en place avant de faire une nouvelle demande d'activation de la monétisation. Il faut savoir qu'en date du 13 décembre 2017, j'avais pas encore compris que ma chaîne ne respectait pas les règlements de YouTube. C'est que j'avais comment dire, je prenais des vidéos d'autres chaînes YouTube que je reproduisais et je remettais en ligne sur ma chaîne. Bien sûr, je faisais un petit peu de travail, des modifications, je rajoutais des morceaux, j'enlevais tout ça. Donc il y avait un certain travail qui était fait sur ces vidéos. C'était pas du copier-coller directement, mais je copiais beaucoup d'émissions télé que je mettais en ligne sur ma chaîne. Donc c'était comme on dit comme on dit en arabe. Donc c'était des reproductions de d'autres vidéos de d'autres chaînes. Donc voilà, ma chaîne des aides d'hiver 2017 a été démonétisée à 19h24 en date du 13 décembre 2017. Donc j'ai continué à travailler de la même manière. J'avais redemandé
révision de ma chaîne et le retour de la monétisation. Et j'ai entendu pendant longtemps, pendant des mois et des mois. Donc j'avais pas compris qu'il fallait que j'enlève les vidéos qui ne me m'appartenaient pas. Donc toute une année est passée et lorsque je suis arrivé en novembre 2018, j'ai fini par comprendre qu'il fallait changer les choses. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai supprimé toutes les vidéos qui étaient dans ma chaîne et qui ne m'appartenaient pas, tout simplement. Donc, plus de 1900, je pense, vidéos qui ne m'appartenaient pas, je les ai supprimées de ma chaîne. Et j'ai commencé à uploader et à mettre en ligne des vidéos purement qui m'appartiennent en totalité, son, audio, vidéo, tout. Donc c'est moi qui filme, c'est moi qui parle, c'est ma voix, tout. Donc aucun copier-coller n'existe sur ma chaîne. Actuellement, toutes les vidéos, c'est ma propre création. Donc j'ai commencé le mois de novembre à mettre en ligne des vidéos qui étaient les miennes totalement. Donc voilà, il y a de cela 6 mois, j'ai commencé à travailler et à mettre en ligne des chaînes. Donc je parlais de l'actualité, je mettais des recettes de cuisine. Parfois, lorsque je réalisais des sorties, je filmais et je parlais. Donc voilà, j'argumente parfois l'actualité sportive et j'analyse également. Donc voilà, j'ai uploadé, je pense à aujourd'hui, j'ai 66 vidéos mises en ligne. Et j'ai redemandé, bon, j'ai commencé ce travail-là il y a 6 mois. Mais j'ai redemandé la monétisation qu'à partir du 4 novembre 2018. Donc, et j'ai patienté. Donc, j'ai vu qu'il y avait pas mal de monde qui attendait le retour de la monétisation sur leur chaîne, qui avait demandé la révision de leur chaîne, qui attendait. Donc, il y a de cela 2 mois, j'ai appliqué cette méthode, comment contacter YouTube pour réactiver la monétisation de sa chaîne. Donc, j'ai appliqué cette méthode. Avec cette méthode, il y a de cela 2 mois, j'ai attendu 2 mois après, j'ai reçu une réponse de la part du YouTube qui m'a réactivé la monétisation de ma chaîne, car ils ont vu que voilà, cette chaîne YouTube des aides d'hiver 2017 ne respectait pas les règles avant et que le propriétaire de cette chaîne, donc c'est moi, il a changé, il a tout changé, il a tout supprimé, tout le contenu qui ne lui appartenait pas, il l'a supprimé et il a commencé à travailler avec ses propres vidéos, ses propres montages, ses propres, c'est-à-dire le son, l'audio, tout. Donc j'ai travaillé en tant que créateur. Donc ils ont vérifié, ils ont vu que propriétaire de cette chaîne a réellement changé et a commencé à respecter entièrement le règlement et les règles de YouTube, que ce soit les règlements de la communauté ou bien les règles des droits d'auteur. Donc, et j'ai reçu une réponse il n'y a pas longtemps de cela. Nous allons voir l'email que j'ai reçu. Donc, c'était en date du 20 février, comme vous pouvez le voir ici, le 20 février 2019, à 23h17, donc la nuit, j'ai reçu cet email. Nous pouvons le lire ensemble. Félicitations, votre chaîne des aides d'hiver 2017 a été acceptée au sein du programme partenaire YouTube. Vous pouvez désormais la monétiser sur YouTube. Pour commencer, accéder au club Créa afin d'échanger avec l'équipe YouTube et les autres créateurs. Nous vous conseillons également de consulter le centre d'aide YouTube pour en savoir plus sur la monétisation sur YouTube et découvrir notamment les types de contenus monétisables, les différentes façons de monétiser des contenus sur YouTube, comment monétiser des vidéos spécifiques,
le guide des icônes de monétisation. Comme pour tout ce qui concerne YouTube, faites preuve de bon sens. Donc, YouTube nous dit de faire preuve de bon sens. N'utilisez pas le site de manière abusive et respectez les autres lorsque vous choisissez les contenus que vous souhaitez monétiser. Donc, il faut faire attention. C'est-à-dire là, la monétisation est de retour, mais je dois faire attention à ne pas enfreindre le règlement de YouTube. Donc, nous espérons avoir le plaisir de travailler avec vous prochainement. Moi, lorsque j'ai décidé, donc merci l'équipe YouTube. Déjà, d'abord, en premier lieu, je remercie moi des aides divers 2017. Je remercie la team et l'équipe YouTube d'avoir révisé ma chaîne et d'avoir réactivé la monétisation de ma chaîne. Je suis très content. Et comme je le disais à mes proches, j'étais confiant par rapport au retour de la monétisation de ma chaîne. J'étais sûr et certain que YouTube était, comment dire, était que YouTube, un instant, j'étais sûr que YouTube allait réactiver la monétisation et que lorsqu'ils allaient réviser ma chaîne, ils auraient vu que j'ai changé et que j'ai supprimé tout le contenu qui ne m'appartenait pas et que j'ai mis en ligne du contenu m'appartenant intégralement à 100%. J'étais sûr qu'ils étaient équitables et qu'ils allaient me réactiver la monétisation de ma chaîne. Donc voilà cet email. Vraiment, j'étais très content ce jour-là de voir le retour de la monétisation sur ma chaîne. Donc, vous pouvez voir ici, félicitations, votre demande de participation au programme partenaire YouTube a été acceptée. Donc, je suis très très content. Voilà. Donc, bien sûr, c'est 2 mois après avoir utilisé cette méthode, comment contacter YouTube pour activer la monétisation. Vous pouvez revenir en arrière et regarder cette vidéo et suivre les conseils que j'ai donnés sur cette vidéo sur la manière de contacter YouTube pour réactiver la monétisation et qu'est-ce qu'il faut dire et exprimer dans le message qu'on envoie à la team YouTube. Donc nous allons voir notre chaîne, nous allons rentrer dans le gestionnaire des vidéos pour voir le changement, qu'est-ce qui s'est passé. Voilà, lorsqu'on rentre dans le gestionnaire des vidéos, donc voilà les vidéos, donc vous pouvez voir le retour monétisé, 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 que toutes mes vidéos sont monétisées. Donc il y a le symbole là du dollar en vert qui symbolise que la vidéo est monétisée et que je peux gagner de l'argent avec cette vidéo et toutes les vidéos qui sont monétisées. Donc voilà le message. Félicitations, votre chaîne a été approuvée pour la monétisation. Donc c'est excellent, je suis très content. Nous allons entrer dans la chaîne pour confirmer que la monétisation est de retour. Vous pouvez voir que l'état du compte en matière de droit d'auteur, je suis au vert. Donc il n'y a aucune effraction ou bien aucun avertissement par rapport à l'atteinte au droit d'auteur. Vous n'avez aucun avertissement, reçu aucun avertissement pour atteinte au droit d'auteur. Et par rapport à l'état du compte en matière de règlement de la communauté, vous n'avez aucun avertissement pour non-respect du règlement de la communauté. Donc je suis clean sur les deux critères. Et voilà, le volet monétisation, désormais, il n'est plus en rouge ici, désactivé. Voilà, il est en vert, la ligne soulignée en vert ici. Vous pouvez utiliser les annonces pour monétiser vos vidéos, afficher les paramètres de monétisation. Si je clique sur monétisation ici, tac, voilà, donc état du compte, monétisation activée. Pour savoir quelles vidéos sont monétisées et apporter des modifications, utilisez votre gestionnaire de vidéos. Bienvenue, partenaire YouTube. Félicitations, vous pouvez commencer à générer des revenus grâce à vos vidéos. Vous bénéficiez également des avantages suivants: la puissance des données, des avantages exclusifs pour les créateurs,
un système d'assistance dédié. Donc, c'est excellent. Examiner ou modifier, il y a des trucs qu'on peut modifier ici. Donc, voilà. Grosso modo, j'ai fait cette vidéo déjà un pour vous annoncer le retour de la monétisation sur ma chaîne et je remercie de passage tous les viewers, toutes les personnes qui ont consulté une de mes différentes vidéos mises en ligne. Donc je remercie tout le monde, tous ceux qui ont mis un commentaire sur l'une de mes vidéos, tous ceux qui ont liké ou mis un j'aime sur l'une de mes vidéos. Je remercie mes abonnés, je remercie ceux qui regardent ma chaîne YouTube, même s'ils ne sont pas abonnés. J'espère que je vais réussir à les convaincre pour s'abonner sur ma chaîne, que je vais pouvoir les intéresser par le contenu de mes vidéos. Et je suis très content et je voulais absolument partager avec vous cette joie du retour de la monétisation. Et c'est pour vous donner également espoir. Il ne faut pas baisser les bras. J'ai reçu plein de messages dans la communauté ici. Il y a le volet. Le volet message qu'on reçoit, les commentaires qu'on reçoit de la part des abonnés. Il y a des abonnés qui me disent j'attends depuis 5 mois, 6 mois, 7 mois. Il faut se dire quelque chose. Si vous respectez le règlement de YouTube en termes de droits d'auteur, en termes de respect de la communauté, et si vous mettez en ligne des contenus vous appartenant, donc soyez certain. Quel que soit le temps d'attente, vous allez finir par voir la team YouTube réviser votre chaîne YouTube et accepter de vous joindre à la communauté des YouTubeurs et vous pourrez à nouveau monétiser vos vidéo et vous allez voir la monétisation réactivée sur votre chaîne. Donc il faut pas désespérer, il faut continuer à mettre en ligne des vidéos, il faut continuer à travailler, il faut persévérer et ne pas comment dire, désespérer pour ne pas perdre déjà le flux des viewers sur votre chaîne et pour avoir tout le temps un comment dire, il faut avoir tout le temps des nouvelles vidéos mises en ligne périodiquement afin d'intéresser et d'attirer de nouveaux viewers pour que votre chaîne fonctionne. Moi, à l'heure actuelle, je dois dire que ma chaîne ne fait pas beaucoup de viewers, donc vous pouvez voir, il y a pas, j'atteins pas les 1000, j'ai pas encore réussi à atteindre 1000 viewers, 2000, tout ça, il n'y a que des petites vues, sans maximum. Parfois ça j'arrive à atteindre 1000, par exemple ici, 1700. Mais la majorité des vidéos sont, il n'y a pas beaucoup de vues dessus. Donc, je ne gagne pas beaucoup d'argent. Pratiquement, je ne réussis pas à gagner beaucoup. Donc, il faut savoir que pour recevoir son premier paiement, il faut atteindre au minimum 70 euros pour pouvoir tirer de l'argent. Donc, percevoir de l'argent. Moi, je ne réussis pas à atteindre ce chiffre-là. Donc, ma chaîne gagne très, 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 très peu d'argent. Très, 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 très peu. Donc, pour pouvoir atteindre 70 euros, il va falloir que je travaille 11 mois ou une année complète pour pouvoir atteindre 70 euros. Mais ce n'est pas grave. L'important, c'est que ma chaîne a été remonétisée et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Donc, de toute manière, je ne travaille pas pour l'argent. C'est pour le plaisir que je mets en ligne des vidéos. C'est pour partager mes idées. C'est pour partager des recettes avec les différents YouTubeurs.
et c'est pour partager des révisions des véhicules neufs. J'ai une passion, j'aime suivre et j'aime découvrir les nouveautés concernant les véhicules. Donc, je partage une passion et l'argent, c'est secondaire. Même si je gagne des miettes sur une longue durée, je vais gagner des miettes. Ce n'est pas ça mon plaisir. Mon plaisir, c'est que lorsque je vois des abonnés ou bien des viewers me laisser des commentaires qui m'encouragent et qui me félicitent par rapport au contenu de mes vidéos, qui me donnent des conseils, qui mettent des likes, des j'aime, tout ça, qui partagent mes vidéos. Lorsque je vois que il y a une certaine interaction avec mes abonnés et les viewers, c'est ça mon plaisir, c'est ça qui me rend content. Donc voilà, j'ai partagé avec vous ma joie et d'avoir vu ma chaîne approuvée pour la monétisation. Et c'est pour vous encourager à ne pas baisser les bras. Donc travaillez, travaillez, travaillez. Vous allez finir par voir votre chaîne aussi monétisée. Donc comme on dit chez nous, Masha'Allah, Allahi Barak, sur le retour de la monétisation. Et nous allons toujours avancer et aller vers l'avant. Donc je vous dis à plus, ciao, à une prochaine vidéo. Allez, au revoir.